Au tout début de la chaîne, j'avais fait une vidéo sur la Grande Limnée. Mais bon, cette vidéo est, comment dire, facilement améliorable. Nous allons donc aujourd'hui nous repencher sur le plus grand gastéropode que nous pouvons trouver dans nos mares. C'est parti. Ouais, ça manque d'un générique, il faudra en refaire un. Avant de vous expliquer le rôle qu'a la Grande Limnée dans nos mares, je vais d'abord vous expliquer 2-3 trucs dessus. Bon ouais, là on est en hiver, il n'y a plus grand chose dans la mare à présenter, mais bon, on va essayer quand même de chercher la Limnée. Ça va être bien plus facile de la trouver dans cette petite mare. De toute façon, c'est ici que j'ai la plus grosse population de Grande Limnée. Là, il y en a juste une ici, c'est attrapé. En voici une. Bon, elle n'est pas très grande, mais voici tout de même une Grande Limnée. Ça faisait longtemps des vidéos sur les mares. Je pense que cela vous avait manqué. Vu le nombre, mais vraiment, hein, vu le nombre de commentaires et de propositions que vous me donnez sur Instagram ou YouTube, ça doit être un de vos thèmes préférés. Enfin, c'est même sûr, c'est votre thème préféré. Comme dit précédemment, la Grande Limnée est le plus grand gastéropode d'eau douce de France. Mais plus précisément, le plus grand escargot d'eau douce de France pulmonée. J'ai enfin réussi à le dire. C'est-à-dire que la limnée possède un poumon. Il doit donc, pour respirer, revenir régulièrement à la surface de l'eau pour faire le plein d'oxygène. Petite spécificité, la limnée utilise une trompe extensible directement reliée à son poumon pour respirer. C'est assez particulier. Le truc, c'est que maintenant, les vidéos en extérieur, c'est qu'il y a énormément de voitures et ça, c'est assez embêtant. Deuxième point, la Grande Limnée, comme la plupart des limnées, ne possède pas d'opercule pour se protéger. La Grande Limnée va plutôt compter sur sa grosseur, vraiment ça, elle est fat quoi, pour se protéger des prédateurs. En fait, les prédateurs vont l'éviter parce qu'elle est tout simplement trop grosse pour être mangée. On peut la retrouver dans toute l'Europe, dans tout ce qui est mare, point d'eau et rivière fraîche, et peu polluée. Enfin, elle supporte tout de même un taux de pollution moyen, mais faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est une espèce hermaphrodite, c'est-à-dire que les individus sont à la fois mâles et femelles. Il suffit donc d'avoir seulement 2 individus pour avoir une reproduction qui peut avoir lieu, eh bien, tout au long de l'année. Et enfin, c'est un gastéropode racleur qui se nourrit principalement d'algues. Et ça, eh bien, c'est plutôt sympa dans une mare. La limnée peut aussi se nourrir du biofilm de la mare. Et pour ce faire, elle va tout simplement, eh bien, nager en dessous de la surface. C'est assez surprenant, je vais essayer de vous filmer ça. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu la tête qu'a une limnée quand elle soulève entre guillemets sa tête. J'essaie de la dessiner. On se moque pas du dessin, ok? Oh, ça, elle fait peur hein, quand même, elle fait très peur. Ouais, en dessous vous avez le pied et au-dessus la tête. Mais du coup on a l'impression que ça fait une sorte de grande bouche pas contente. Maintenant, nous allons passer au rôle que peut jouer la Grande Limnée dans les mares. Ah, vous allez voir, il y a des trucs sympas à dire. Bon, j'hésite à changer de cadre parce que je trouve qu'il est très sympa. Bon, ça fait juste mal aux jambes à force d'être accroupi, mais... Allez, on va pas se mentir, c'est plutôt joli derrière. On va d'abord commencer par les points positifs que la limnée apporte dans votre mare. Comme dit tout à l'heure, eh ben, premier point, c'est une mangeuse d'algues. Et ça, vous savez, hein, ceux qui ont des mares, des bassins, vous savez à quel point les algues peuvent être un gros problème. Elle va tout simplement nettoyer la mare, et en plus, un point plutôt sympa, c'est qu'elle est facilement observable. C'est pas forcément le cas des autres bestioles qu'on peut trouver dans les mares, si les tritons. Les tritons, c'est très cool, mais on les voit pas souvent. Par exemple, pour les amphibiens ou même les arthropodes des mares, eh bien, vous pouvez penser qu'ils sont dans votre mare, et même si c'est le cas, eh bien, vous n'allez pas les voir très souvent. Alors que la Grande Limnée, elle, vous risquez de la voir très souvent parce qu'elle n'est pas du tout farouche, et en plus, eh bien, elle est assez grosse. Autre point, elle se reproduit très vite. Vous pouvez donc avoir une grande population de limnées en très peu de temps. Et ça, ça peut être pratique dans certains cas. Et enfin, dernier point, et bon là, c'est un point qui est aussi valable pour toute la faune sauvage, elle va tout simplement rentrer dans la chaîne alimentaire. Elle sera donc une source de nourriture non négligeable pour la plupart des prédateurs de la mare. Et bien là, on va attaquer les quelques points négatifs que peut avoir la Grande Limnée. Parce que oui, il peut y en avoir quelques-uns. Vous devez sûrement vous en douter, mais la Grande Limnée ne va pas s'attaquer qu'aux algues. Elle va aussi se nourrir des plantes aquatiques. Et là, petit point vraiment négatif, si le manque de nourriture vient à venir, elle pourra aussi s'attaquer aux pontes d'amphibiens. Et là, ça devient problématique. Et aussi un autre point non négligeable, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, elle se reproduit vite. Mais elle se reproduit hein, vraiment vite. Vous pouvez donc avoir vite une population tellement grande qu'elle devient presque, entre guillemets, nuisible. Coucou, coucou, coucou.
Attention, la population devient seulement nuisible que si elle n'est pas régulée naturellement. Dans la nature, dans un milieu équilibré, toutes les espèces se régulent naturellement. Mais évidemment, un bassin ou une mare avec, eh bien, des poissons rouges ou des poissons exotiques n'est absolument pas un milieu équilibré. Dans une mare ou un bassin avec des poissons rouges, eh bien, il y a totalement un déséquilibre au niveau de la biodiversité. Les poissons étant de super prédateurs, ils vont manger la plupart de la faune vivante dans la mare, ce qui va engendrer la disparition petit à petit des prédateurs naturels, car ils n'ont pas assez de nourriture pour survivre. Donc une fois que les prédateurs naturels sont partis, eh bien les poissons, eux, par contre, ne vont pas forcément attaquer la grande limnée, parce que la coquille n'est pas forcément à leur goût. Alors que dans une mare naturelle avec de la faune et de la flore sauvage et locale, la grande limnée aura tendance à être régulée parce qu'il y aura des prédateurs naturels. Le message que je veux faire passer ici est que la limnée n'est absolument pas un animal problématique et surtout pas nuisible. Toute la faune sauvage doit être protégée et préservée. Mais aujourd'hui, à cause de la fâcheuse habitude qu'a l'humain à dérégler tous les écosystèmes et les biotopes, la grande limnée peut vite devenir très présente dans un milieu déréglé. Mais ce n'est pas une raison pour l'enlever. Un moment ou un autre, si on laisse la nature faire et si on lui donne un petit coup de pouce, en par exemple, en créant des cachettes à amphibiens, éviter le plus possible la faune et la flore exotique, etc., etc., la limnée, comme toutes les espèces, sera régulée. Après, même dans un bassin à poissons, la présence de la grande limnée n'est pas problématique. Le point qui vous a peut-être choqué est quand j'ai dit que la limnée pouvait manger les œufs d'amphibiens s'il y avait un manque de nourriture. Et ce n'est quasiment jamais le cas. En réalité, la plupart des amphibiens et autres faunes de la mare se nourrissent justement de la grande limnée, donc ça se rééquilibre. La présence de la grande limnée pourrait même permettre d'attirer un peu plus de faune sauvage dans votre bassin. Personnellement, je trouve que la grande limnée est tout de même un habitant des mares très sympa, surtout pour la régulation des algues. Mais bon, la limnée est une espèce qui risque de disparaître petit à petit de nos mares et de nos eaux. Car étant un habitant d'eau peu polluée, et à cause de la pollution actuelle, elle disparaît petit à petit. Donc pourquoi pas lui faire une petite place dans son jardin en creusant une mare. En plus, la grande limnée, en mangeant les plantes, va éviter que votre mare se fasse trop vite envahir par les plantes aquatiques. Et ça, c'est un point plutôt sympa. Pour ceux qui me suivent, vous savez eh bien que j'enlève régulièrement des plantes de ma mare, car je me fais assez vite, entre guillemets, envahir. La grande limnée permet de ralentir ce phénomène. Et ça, ouais bah c'est cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, franchement, ça m'a fait super plaisir de tourner à nouveau ce type de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si vous avez des questions ou des trucs à dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, allez, salut !